L'affaire à guider deux joueurs à la guerre, donc c'est deux joueurs qui ont d'énormes qualités pour jouer au football. Je crois qu'ils sont faits pour jouer au football, mais c'est pour consommer des substances illicites, malheureusement pour eux et pour le club. Pour moi, il est indéfendable. C'est une référence pour la jeunesse. Tout le monde combat ce fléau, et maintenant c'est des jeunes qui consomment ces substances. Quel exemple accorder les jeunes où il y a. Donc moi je dis sincèrement, vraiment, c'est. Est-ce que ça peut ternir l'image du club? Yani zmeret haz tsoura ma kidinou sura dara jiska tsoura ne ne tervaat yani Non, de l'équipe. t'has l'image du club, s'ils seront maintenus dans le club. Mais s'ils seront exclus, puisque le club n'est pas responsable de le khedmansin à l'extérieur du. Marathon, c'est ça. Chacun est libre, ils sont majeurs, ils ont le maintenant d'après chez les donc ils sont exclus du club, donc moi je trouve c'est une décision sage quoi pour l'image du club. Voilà. Parce que si tu ne vas pas les exclure, malgré leur qualité, c'est comme si tu cautionnes le Chakhdem. C'est-à-dire tu t'ouvres une porte à autre chose. Donc le cas de Ben Youssef, c'est pas la première fois à tu peux dire c'est un récidiviste, donc c'est une sage décision quoi pour l'intérêt du club quoi. Voilà, تهضرت دولا في جوبا تهضرت في لاسا في في اوقاسي اسكو فريمون كيسوها مرا وخشيشه هي ولا مزياكي Non, ici, نو فريمون سي لانفلونس داخل الناس اللي تدور سوا تربع ما طول لي جوار لازم تربع فيها ثلاثه ولي تساوي ويا نيرون على حساب فينيسيوس ديجا ما طول لي دو جوار سون انوسون ما طول قادو نسنت ولا ذاك راه ماشي Donc même quand j'ai lu comme quoi Hafsenten pour des substances, j'ai pas cru, c'est pas possible. Les joueurs là, maintenant le djinn. Mais en fin de compte, je sais pas, c'est les fréquentations d'Arne, il faut pas oublier d'Arne. C'est le groupe.